l'histoire de la vie moyen, plutôt l'histoire d'un style tout claqué sa mère. Pour ceux qui suivent pas trop, là j'ai adopté une chienne et je parle pas de tam... J'ai pas le droit de dire ça. Bref, quand tu adoptes un chien, oublie tout de suite l'idée d'être stylé. La preuve. Bonsoir Paris, yeah. Comme on dit, si la brigade du style passait par là, je prendrais pour perpète. Non mais sérieux, déjà quand t'adoptes un chien, tu te lèves méga tôt. Et c'est pas dans mes habitudes. Pour le sortir, afin de ne pas retrouver ta maison qui collerait au hashtag zone sinistrée. T'as une gueule de mort parce que t'es fatigué, puis ça te suit tous les jours, hein, la preuve. Le chien te fait ta fête, il te saute dans les jambes alors que t'essayes de mettre un putain de pantalon pour le sortir. C'est relou sa mère. Et après ça, t'essayes de mettre tous les habits qui te passent par la main, généralement stackés sur une putain de chaise qui traîne dans ta chambre. Sauf que quand tu fais tout ça, tu ressembles à rien. Quand t'adoptes un petit chien, sérieusement, ta vie change. Clairement, on dirait que du jour au lendemain, t'es papa. Tu t'absentes, ça pleure, ça fait des caprices pour te tester, t'es rapidement confronté au pipi et au caca. Et je peux te dire que quand tu rentres de soirée à 4h du matin et que t'es confronté à un salon complètement ravagé, avec une putain de merde posée au milieu, en guise de cerise sur le gâteau, bah t'es loin d'être saucé. À l'heure où je vous parle, je suis en semi-vacances et je pensais clairement pouvoir profiter de mon temps libre pour pouvoir faire des vidéos, des lives et kiffer avec vous. Sauf que pour le moment, non, j'y arrive pas vraiment, j'arrive pas encore à gérer mon temps. Vous savez que les 6 premiers mois sont les plus importants pour l'éducation d'un petit chiot. Mais vous inquiétez pas, c'est juste temporaire. J'essaye de gérer au mieux pour qu'on puisse se retrouver bientôt. Et je songe même par la suite à vous proposer du contenu avec elle parce que je pense que ça pourrait en intéresser certains. Je voulais remercier une fois de plus toutes les personnes qui ont participé à ma cagnotte d'anniversaire, c'est vraiment un geste qui m'a vraiment profondément touché, donc merci infiniment pour ça. Et je voulais aussi souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint la chaîne dernièrement, parce qu'on est bientôt 20 000 et ça c'est juste violent. Vous êtes sûrement en train de vous dire, mais comment il fait pour tourner cette vidéo, sachant que la chaîne lui prend tout son temps, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment même? Eh bien elle dort, et je vais vous le prouver. Et si j'ai raison, vous mettez un pouce bleu. Aïe, c'est qui ça? C'est qui ça? Qu'est-ce que tu fais?